Les filles, j'espère que vous allez bien. Tarek a une angine aujourd'hui. Moi, en fait, je me sentais partir, donc c'est pour ça que je n'ai pas snappé hier. Pareil, en fait, j'étais malade, mais là, ça va mieux. Franchement, j'ai pris direct, je me suis soignée direct. Tarek, il a lu sur internet comme quoi il fallait manger une glace. Donc, en fait, je pense qu'il voulait juste manger une bonne glace. Et il s'est commandé un McFlurry, les filles. Donc, sachez qu'il n'a pas respecté la diète et qu'il a encore plus une angine et que ça ne marche pas. Il a dit qu'il fallait manger genre du froid, froid, froid et ça marche absolument pas la fille. Donc là, je suis chez le dermatologue pour régler mes problèmes de peau parce que là, ça allait pas du tout. Je pouvais pas du tout rester comme ça. Par contre, j'ai pas compris en fait. Ils m'ont donné deux codes et il fallait sonner pour entrer. Et là, je suis seule. Je suis seule dans la salle d'attente, je suis seule. Il y a personne qui m'a dit bonjour, il y a personne qui a rien. Il y a même pas de meuf, j'ai vu personne. Et tu sais, j'ai envie de crier bonjour, excusez-moi, mais j'ai l'impression. Je trouve ça fait tellement pitié si personne t'entend. Attends, je vais le faire. Excusez-moi. Vous savez que j'avais rendez-vous à midi et que depuis 30 minutes, je suis là et que il n'y a personne, vraiment, genre. Même la dame, je l'ai appelée, elle m'a dit, ouais, ils arrivent et tout, mais... Enfin, en gros, genre, le médecin, il ne répondait pas. Elle m'a dit, je vais lui laisser un message. C'est tout. Sinon, je suis là toute seule. Bon les filles, je suis rentrée vite fait à la maison. Ensuite, je vais voir Mickey pour qu'il me fasse mes sourcils. T'as vu comment il crie ou pas? Donc du coup, je vais faire mes sourcils donc juste après mes girls. Je suis sortie de chez le dermato. Il a enfin, bref, j'ai fait un rendez-vous et tout. Il m'a prescrit plein de trucs que je suis allée récupérer vite fait à la pharmacie. Et puis je vous montrerai tout. Et en fait, justement, on parlera du coup de l'acné pour les personnes SOPK. Donc, c'est pour ça que j'ai une grosse rechute là avec les hormones et tout. Donc, je vous en parlerai. Je suis pas allée tout chercher parce qu'il y avait des trucs où vous avez des génériques. Et je sais pas, j'aime pas les génériques, moi. Donc, je voulais aller chercher les vrais médicaments. Donc, je vais aller récupérer le reste, les filles. Donner à manger à ma fille. D'ailleurs, j'ai reçu... ma commande pour ma fille, les filles. Oh là là, j'ai commandé que des trucs bio et tout, des trucs halal. Et je suis trop contente parce que des fois, en fait, avec tous les... Bon, les filles, j'ai pris pour ma petite fille, du coup, les pots. Donc, pour toutes celles qui n'ont pas le temps, celles qui ont trouvé qu'en fait... De toute manière, je vais vous dire la vérité, c'est bien plus intéressant en ce moment avec l'inflation des prix, etc. C'est bien plus intéressant maintenant de les prendre comme ça, étant donné en plus qu'ils sont bio, les filles, et qu'ils sont halal, en fait. Donc, il y a la certification qui est connu. Donc là, en fait, vos bébés vont consommer du bio, du halal. Et surtout, en fait, les filles, vous allez gagner du temps et leur faire manger de bonnes choses. Et surtout, bah, on va dire à des prix qui sont vraiment, vraiment raisonnables. Maintenant, c'est même limite compliqué de leur faire manger du bio et de cuisiner à la maison, etc. Vous allez pouvoir faire un plat, limite, au prix du petit pot. Papa? Papa? Ouais? Papa? Papa? Les filles, je fais un snap sans fil pour que vous puissiez voir mes sourcils avant. Mais lui, là, lui, il a changé ma vie. Attends, ça fait combien de temps que t'avais fait mes sourcils? Quoi? Non, mais Mickey, franchement, t'es dans le... Non, pas du tout. Les premiers sourcils. Ouais, ça fait 4 ans au moins. Best. Cherchez pas, c'est-à-dire la pigmentation, elle bouge pas, rien. Cherchez pas, best. Et même quand je croise les vrais go des sourcils aussi, parce qu'il y a bien sûr qu'il y a d'autres gens, elles me disent lui aussi c'est best. Donc genre même ses concurrentes, elles sont en mode respect. Bon, mes girls, ça y est, mes sourcils sont faits par the best. Mais vraiment the best. Je vais vous mettre son adresse. Les filles, ça fait plus de 4 ans que je fais mes sourcils ici. Et que ça n'a jamais bougé, incroyable. Donc il vous fait la restructuration, en fait il va vous faire une forme de sourcil qui va bien avec votre visage, et surtout si jamais vous mettez des pigments en fait dans votre visage, enfin du moins dans vos sourcils, ça bougera pas, hein. Et oubliez les pigments verts, jaunes, comme je vous ai dit, orange, etc. Ça ne bouge pas. Donc je vous mets son adresse.